Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Vous avez bien aimé nos princesses vieilles. Et bien, vous allez voir nos princesses vieilles 2. Donc, celui-ci, est-ce qu'on a un nom? Alors, sûrement de Isaac Ariel. On l'écrira dans le titre si on retrouve, ça doit être... Mais voilà, vous avez sa signature. Et donc, il y a les dates. Voilà, nous avons Pocahontas en 1995, donc sortie du film, j'imagine. Voilà, 18 ans. Quand elle avait 18 ans. Et en 2015, elle a 38 ans. Alors déjà, j'adore. Il a dû reprendre le modèle simple. Je pense, ouais. Il a juste mis des quelques rides. Et j'aime bien. Je trouve que pour 38 ans, elle s'en sort bien. Je sais pas ce que t'en penses, ouais, mais... Oui, bah oui, très bien. T'as pas vu à 38 ans? Non, mais je veux dire, par rapport... Il y en a, je veux dire, ils sont vraiment très vieux. Ah, mais tout simplement, ils ont fait à l'âge où elle avait, on verra voilà, à côté. Voilà, ils ont pris la même posture, en fait. Et on verra à droite, en 2015, donc je pense, quand il a fait les fanarts. Ouais. Donc, suivant. Oh, Belle. Belle. En 91. Elle est pas trop... Belle. Ouais, bah, moi je vais dire, elle est pas trop moche. Ça va, elle a pas... Ça va encore. Hein. Et ils ont fait un petit éclaircissement des cheveux pour montrer quelques cheveux blancs. Ouais. Non. Ouais, elle est censée avoir 41, non? Bah, ça va. Oui. Là, elle en avait 17 dans le film. Ouais. C'est bien comme ça, moi, on a les âges des princesses en même temps. C'est le bonus. Suivant. Ariel. 16 ans. Ariel, on savait qu'elle avait 16 ans. Voilà. Et elle a 42 ans en 2015. Eh ben, on trouve que, enfin, elle fait vachement plus vieille, je trouve. Ouais, elle fait plus que 42. Elle fait plus 50. Hein. Ouais, même, oui, plus de 50, même 50. Et n'empêche, la question, attention, la question de Prince Dina qui tue. Elle a les cheveux rouges, donc ça veut dire que dans son monde à elle, quand elle a des cheveux blancs, ça fait du rose. Bah non, c'est vrai. Ouais, elle doit se faire des couleurs maintenant. Pense-en, oui. Ouais. Elle s'est fait des couleurs. C'est 42 ans, t'as des cheveux blancs quand même. Enfin, ou pas, mais... t'as pas une couleur rouge comme ça, naturelle. Non, c'est pour ça qu'ils ont fait un petit éclaircissement. Ouais. Suivant, Mulan. Ah bah, elle fait moins... elle a 33 ans. Elle fait beaucoup moins, tu te souviens, dans le premier, quand elle faisait vieille et c'est vrai. Triste. Là, pour le coup, je suis... Bah, non, elle est bien, là. Et pour 33 ans, non, ça peut passer, hein. J'aime bien. Bah oui, elle est bien. Ouais, elle a pas de ride, elle est très bien. Elle est très bien comme ça, reste comme ça. Ah. On dirait la bonne fée. Oui, pour le coup, oui. Là par contre, elle mais fait bien. Mais bon, elle est censée avoir bien. 84 ans. Non, mais elle fait bien 84 ans. Ouais. Et donc, Cendrillon avait 19 ans. Ouais. 1950, putain, t'imagines. Oh, mon dieu. 84 ans. Et ça fait une belle femme, hein. Mais Ben, on dirait plus la reine de la bonne fée. Ouais. Voilà, exactement. Ou une des fées dans La Belle au Bois Dormant. Oui. Oh. Elle fait un peu squelette. Jasmine, donc, elle fait un peu momie. Voilà. Moi, 38 ans, bon, celui-là, j'aime pas. Mais pour dire, j'aime bien sa coiffure. Voilà. Oui. Parce que j'ai toujours trouvé la coiffure à Jasmine tellement what the fuck que forcément, dès que j'avoue avec une autre coiffure, je suis content. Donc, ça doit être Isaac qui arrive. Elle avait 15 ans. Ah ouais? Non. Eh, dis donc, cocotte, là. Ouais. Je suis sûre qu'Aladin, il doit en avoir 23, tu sais. Blanche-Neige, 92 ans. Je trouve qu'elle s'en sort bien, encore. Hein. Et elle a 14 ans. Donc. Elle avait 14 ans, ouais, quand elle est sortie 1937. En 1937. Oui. Tu vois, c'est là où c'est plausible. 14 ans, elle n'était pas formée. Enfin, je veux dire, voilà, elle n'était pas... Oui, elle n'avait pas de poitrine, rien. Ouais, ouais, normal. Que... Aurore... Bah, même Jasmine, ouais. 15 ans, 16 ans, elles sont déjà elles font parfaites. Elles font ouais, elles ont déjà une poitrine qui serait suffisante pour toute une vie. Enfin, voilà, quoi. Pour Blanche-Neige, Aurore. Voilà, 16 ans, Aurore, on avait dit 72 ans. voilà, bah, on dirait Lana Del Rey, t'as raison. Bah, c'est le problème, c'est son maquillage foncé pour pas grand-chose qui me donne cet effet. Ouais. I know you. Qu'est-ce que tu en penses? Elle s'est fait couper les cheveux. Oui. Elle a gardé des petites bouclettes quand même. 72 ans. Ça va. Oui, ça va, ça va, ça va. Mais ouais, le niveau maquillage, c'est ça qui me perturbe un peu. Bah, c'est le maquillage, je sais pas tout ce qu'ils ont fait, surtout au niveau des yeux. Ouais, il y a une espèce d'ombre gris là-dessus. Ouais. Et même le trait de liner, enfin, c'était pas obligé. Ouais, non, non, non. 72 ans, tu te maquilles plus. Vous avez entendu? Et voilà. C'est fini. Alors toi, quel a été ton préféré? Non, moi je préfère peut-être Mulan, je dirais. Ouais, Mulan, elle fait classe. Ouais. Et ben voilà, vous dites-nous quel a été votre préféré. Moi je dirais Mulan aussi. Donc voilà, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Salut. Salut.
Periscope, Snapchat, Facebook, Noble Paysan, suivez-moi, venez sur le bouton, c'est beau.